Nous avons lancé le site web de la compétence numérique en action, ou CNA. Ce site web soutient le plan d'action numérique du Québec et le cadre de compétences numériques. Ce site bilingue intègre les contenus de plusieurs sites intérieurs, notamment Citoynet numérique Québec, le process de recherche, apprendre et guider, Educators Toolbox et diverses sections de réussite du site web Learn. Le nouveau site CNA a été conçu en tenant compte de l'accessibilité. Si vous cliquez sur l'icône d'accessibilité, vous obtiendrez une liste d'outils. Ces outils pourront être utilisés pour ajuster le texte, les polices, les contrastes et les couleurs en fonction des besoins personnels. Le site est également adapté aux lecteurs de texte. Le menu supérieur contient des informations sur nos partenaires, sur nous et sur le site. Si vous sélectionnez la page des commissions scolaires anglophones, vous trouvez des informations spécifiques à ces commissions scolaires, nommément des ressources pour les parents et les élèves, des services pédagogiques et plus. Dans le menu supérieur, vous trouverez également un bouton français-anglais qui vous permettra de passer facilement d'une langue à l'autre. Regardons de plus près le site CNA. La barre de menu bleu contient ce que nous appellerons des pages d'information sur la compétence numérique, notamment des documents du ministère, le référentiel des compétences professionnelles pour enseignants, ainsi que des fiches d'organisation graphique. Vous trouverez également des pages spécifiques sur le processus de recherche, les combos numériques, la conception universelle de l'apprentissage et l'apprentissage bimodal. Et Avenir est un champ de recherche où vous allez pouvoir taper des mots-clés dans le champ de recherche pour rapidement trouver le contenu qui se trouve uniquement dans ces pages d'information. Si votre mot existe dans l'une des pages d'information bleue, cette fonction le trouvera. N'oubliez pas de consulter notre section pour les ressources numériques « Trouver des ressources additionnelles », cette zone orange, qui contient des ressources supplémentaires qui ne sont pas contenues dans la zone bleue que nous avons vue précédemment. Vous pouvez en savoir plus sur comment naviguer ces ressources numériques dans notre capsule d'accompagnement. Pour obtenir les dernières nouvelles de l'équipe Learn, suivez-nous sur Twitter et YouTube. Vous trouverez un lien vers nos comptes de médias sociaux en bas du site.